Alors, un petit test de son. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Oui, ça sort bien, Mohamed. Je te remercie. La version longue, ici, c'est la version courte. Okay. Puis ce qui va être envoyé aux gens, c'est la version longue. Ah, OK. Mais celle que vous allez utiliser, c'est la version courte. Alors, on me fait signe qu'on peut commencer. Bonsoir tout le monde. J'espère qu'on m'entend bien et dans la salle et en ligne. Alors, je vous souhaite la bienvenue à notre conférence des grands communicateurs qui est organisée depuis 13 ans maintenant par la TELUC, par la Toile des communicateurs. Nous, la Toile des communicateurs, on est une petite association de bénévoles, tous professionnels en communication. Et on aime ça un petit peu ouvrir la porte à la relève, aux nouveaux diplômés, aux étudiants. Donc, c'est un petit peu la mission de la Toile. On n'est pas tout seul à faire ces conférences. Parler de la TELUC qui nous appuie, qui nous accueille dans ses murs ici régulièrement. Ils sont fidèles depuis le début, donc c'est pour ça que je tiens à les mentionner à chaque fois. L'association étudiante de la TELUC aussi qui nous appuie, le Canal Savoir qui nous filme et nous diffuse. Un nouveau partenaire, Isarta, cette année, le site d'emploi assez connu du Québec. Donc Isarta aussi nous appuie maintenant, on est bien content de ça. Je disais que la Toile des communicateurs, nous, on a une toute petite structure. Si vous voulez en savoir plus sur la Toile, je vais vous référer à notre site web, toile.coop. L'adresse est un petit peu partout ici, toile.coop. Un tout nouveau site web en passant. On était vraiment mal lotis, puis maintenant, on a fait un bond technologique. Donc, sur ce site web en particulier, vous allez retrouver une rubrique qui s'appelle le blog des communicateurs. Donc, des billets portant sur le monde des communications, écrits par notre ami Christian qui se cache en arrière. Donc, je vous invite à le lire, ça vaut vraiment la peine. On est aussi présent sur la majorité des médias sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, LinkedIn. Si d'ailleurs vous voulez tweeter sur la conférence ce soir, le mot-clé pour ça, c'est GCOMMS, comme grand communicateur. Donc GCOM, le hashtag pour ce soir. On vous a remis aussi à l'entrée la liste de nos conférences. Il y a encore 3 conférences avant la fin de cette saison. Je vous les rappelle rapidement. Le 30 mars, on parlera du journalisme dans un mode numérique avec Patrick White, qui est au Huffington Post. Le 27 avril, on parlera avec Sophie Boulet d'astroturfing. L'astroturfing, c'est vraiment cette pratique de relations publiques, de se faire cacher, passer pour quelqu'un d'autre. Par un exemple que j'ai eu récemment,
la compagnie Walmart avait fait un blog qui racontait soi-disant les tribulations de clients de Walmart dans son véhicule motorisé qui faisait le tour des États-Unis et combien ils aimaient fréquenter les Walmart là-bas. Puis en fait, c'était la relation publique de Walmart qui était en arrière de tout ça. Donc c'est un peu de ça qu'on va parler le 27 avril. Et le 1er juin, on termine la saison avec Michel Solis, qui est un avocat et qui nous parlera du droit sur l'Internet. Et Internet n'est pas un milieu sans droit. Ce soir, on va rester dans le monde des communications de presse, dans le domaine culturel et événementiel. Alors ce soir, je suis vraiment très heureux de notre invité. On a une personne, je pense que c'est la personne qui connaît le plus ce milieu-là, ce domaine-là au Québec. Alors, si vous voulez, ça vous intéresse de travailler en relations publiques, relations de presse, dans le domaine culturel et événementiel, je pense que c'est la personne à avoir. Je résume un petit peu sa carrière très rapidement. J'ai oublié des choses parce qu'elle en a fait tellement. Elle a reçu 5 Félix. C'est la première fois qu'on a un conférencier qui a des Félix. On a eu des ministres, des députés, ben alors des récipiendaires de Félix. C'est une première, on est très fiers de ça. Des Félix, pourquoi ? Pour la meilleure agence de relations de presse dans le domaine culturel, 5 fois. Elle a été, entre 2010 et 2015, chef de bureau de la culture à la ville de Longueuil. Elle a eu des postes de direction, vice-présidente aux communications pour le Journal de Montréal, aussi vice-présidente aux communications pour le réseau TQS, et c'est notamment elle qui a été derrière l'importation de toute la marque du mouton noir de la télé, s'il y en a qui s'en souviennent. Relations publiques auprès de nombreux artistes, je citerai Yvon Deschamps, Francis Cabrel et bien d'autres aussi. Relations de presse auprès de nombreux événements culturels, les galas de la disque, les Gémeaux, le festival de la chanson de Granby, et j'en oublie certainement. Elle est aujourd'hui aussi chargée de cours à l'UQAM, toujours dans la chaire des communications. Alors, je pense que j'ai assez parlé. Si vous voulez accueillir notre grande communicatrice pour ce soir, Mme Thérèse David. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On m'entend bien partout. Merci beaucoup. Dans le fond, ce n'est pas parce que je suis bonne, c'est parce que je suis vieille. J'ai 40 ans de métier. Alors, c'est pour ça. C'est uniquement pour ça. Et j'ai appris, moi, sur le terrain, quand j'étais plus jeune, parce que ça n'existait pas des cours en relations de presse culturelles. On était loin de ça. Donc, ce que j'essaie de faire maintenant, c'est de transmettre des connaissances à des gens qui veulent faire ce métier-là. Vous pouvez prendre des notes, mais vous pouvez ne pas prendre des notes parce que vous avez le PowerPoint. Là, c'est un PowerPoint très... un diaporama, je m'excuse, avec les grands thèmes. Mais tout ce que je vais dire va se retrouver sur un diaporama que vous allez tous recevoir, on m'a dit, à 10h30 ce soir. 11h moins quart, peut-être, on va lui donner jusque-là, mais vous allez tout avoir un diaporama. Donc, je commence. Vous savez, depuis 40 ans, c'est toujours la faute des communications. Tout est toujours de la faute des communications. Alors, pour les plus jeunes qui veulent commencer dans ce métier-là et pour les plus vieux qui sont dans ce métier-là, vous allez me comprendre. J'étais donc en agence, mon mentor était Guy Latraverse. C'est lui qui m'a donné ma chance parce que je sors, moi, en fait, j'ai une formation en musique classique. Et donc, j'ai été discothécaire dans des stations de radio. J'étais très, très, très rebelle, d'ailleurs. J'ai réussi à me faire mettre dehors de la première station de radio parce que je ne voulais pas jouer du James Last puis du Mireille Mathieu. Vous allez comprendre dans quelques instants ce que ça a fait comme conséquence. Bref, un jour, je rencontre Guy Latraverse. Et je travaille avec lui à Québec Spec. Guy Latraverse m'a tout enseigné. Et je suis très contente qu'il ait eu cet hommage récemment. Mais quand j'étais donc dans le monde du spectacle, que ce soit à Québec Spec ou que ce soit en agence, parce que j'ai parti ma propre agence en 1977, que j'ai gardée jusqu'à l'âge de 40 ans. 40 ans, je me suis dit, il faudrait peut-être que je me trouve une job. Tout ce temps-là que j'étais en agence et tout ce temps-là que j'étais dans le monde du spectacle, quand les billets se vendaient, c'était parce que l'artiste était bon. Et quand les billets ne se vendaient pas, c'était la faute des communications. J'ai tant entendu ça toute ma vie. Qu'est-ce que tu fais, Thérèse? Alors, finalement, à 40 ans, j'ai dit, il faudrait bien que je me trouve une job. Alors, j'ai travaillé avec M. Pelladeau, père, sur toutes sortes de choses culturelles, dont l'Orchestre métropolitain qu'il a fondé. Et finalement, j'ai joint les rangs du Journal de Montréal comme vice-présidente aux communications, puisqu'il voulait... M. Pelladeau, père, voulait donner un input ou un oomph à son cahier week-end, Journal de Montréal, qui, donc, ça prenait quelqu'un pour rencontrer tous les producteurs, pour que les producteurs
commence à considérer le Journal de Montréal dans sa partie art et spectacle. Donc, je suis devenue vice-présidente de communication. Et là, je suis au comité de direction. Donc, et à un moment donné, le tirage va très bien, ça monte, pas de problème. Et là, j'entends l'éditeur qui dit « Bravo, les gens de la rédaction, vous avez fait une bonne job, des bonnes unes, vraiment. » Et là, un mois après ou deux mois après, le tirage se met à stagner. « Coudonc, Thérèse, qu'est-ce que tu fais? Fais-tu de la promotion? » Je pensais que j'avais entendu tout, mais celle-là, je ne l'avais pas vu venir. Là, je fais donc 8 ans là et je m'en vais comme... Monsieur l'a dit, vice-président de communication à TQS, et je suis donc toujours au comité de direction. Et là, quand le show est bon, il y a des bonnes cotes d'écoute. Mais là, à un moment donné, les cotes d'écoute sont moins bonnes. Coudonc, la campagne de publicité puis de communication, ça... Donc, toute votre vie, vous allez entendre ça. Vous allez toujours entendre ça. C'est notre karma. Mais en quelque part, c'est tellement trippant de faire des communications culturelles et événementielles. C'est pas grave. Il faut l'accepter. Il faut vivre avec ce donné-là. L'importance des relations de presse dans le secteur culturel, elles sont les plus importantes. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison, nous, on vend des créateurs. On ne vend pas des cannes de bine. On ne vend pas des marques commerciales de souliers. On vend des êtres humains qui écrivent de la création. Là, ici, quand je parle d'artistes là, pendant la prochaine heure, je parle d'artistes en art vivant, je parle de comédiens, je parle d'auteurs, je parle de danseurs. Donc, si je dis le mot artiste, ça englobe toutes les sphères culturel. Je le dis parce que je le dis souvent artiste, puis je ne veux pas que vous pensiez que parce que ça englobe aussi les musiciens. J'ai fait quand même 5, 6 ou 7 ans avec le Festival Lanaudière, donc ça rejoignait un peu mes cours de musique classique. C'est pour ça que les relations de presse sont si importantes. Dans le secteur, il y a 4 grands secteurs des communications, publicité, relations de presse, relations publiques, promotion. C'est vraiment le secteur le plus important parce qu'on vend des créateurs. Et il y a des pages art et spectacle, il y a des émissions culturelles. Ce n'est pas la même chose que de travailler en agence. Par contre, ce n'est pas aussi payant que de travailler en agence, ceux qui ont fait les deux. Alors, à un moment donné, je trouvais que ce n'était pas payant, ce métier-là. Parce que être attaché de presse dans le monde culturel, ce n'est pas très payant. Mais c'est tellement trippant que ce n'est pas grave. Mais à un moment donné, je me suis tannée. Et j'avais rencontré un monsieur très bien d'une grosse agence de publicité. J'ai dit, j'aimerais ça faire le move. Je me souviens, c'était un petit déjeuner au Sheraton. C'est une grosse agence de publicité. Puis il était prêt à envisager la possibilité que je change complètement ma carrière et que je travaille en agence de publicité. Le petit déjeuner a duré de 7h30 à 9h30, 10h moins quart. À 10h, ma décision était prise. Non, oui, je ne m'en allais pas travailler à faire des pitchs à Toronto en anglais sur des cannes de soupe ou des... Non, j'étais pas capable. Alors, je suis restée. J'ai décliné l'invitation, je suis restée et je suis très contente d'être restée en culturel. Par contre, il y a des instruments dont on a besoin, il y a des outils dont on a besoin et c'est ces outils-là qu'on veut un petit peu étudier ensemble. Le fameux communiqué de presse. Est-ce que ça existe encore? Oui. Est-ce qu'il faut en faire encore? Oui. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans un communiqué? De la poésie? Non. De l'humour? Non. Je vais vous dire ce que les journalistes regardent quand ils reçoivent un communiqué, et ça, c'est une donnée qui est vérifiée, que j'ai vérifiée avec des journalistes, avec qui je parle encore constamment et régulièrement, et c'est toujours cette même donnée-là, même si c'est plus des envois postaux, c'est des courriels, mais ça revient au même. Ils regardent d'abord le sujet, c'est-à-dire le titre. Donc, il faut que ça prenne un titre hyper accrocheur. Après ça, la source. Oui, après ça, là, vous allez me dire, j'ai entendu tout. Ben oui, mais quand on n'est pas connu, puis on n'est pas une agence de relations de presse connue, et ça veut-tu dire qu'ils nous mettent aux poubelles? Non, ça veut dire qu'une fois, deux fois, trois fois, et si vous êtes sérieux, si vous écrivez bien, si vous envoyez des bons communiqués, la quatrième fois, ils vont finir par vous connaître. Parce qu'avant d'être connu, on n'est pas connu. Quand monsieur disait à travailler avec des artistes connus, bien, j'ai travaillé, oui, avec Marjo, Paul Piché, Richard Séguin, mais là, vous allez me dire, c'est facile, il était connu, mais il n'était pas connu avant d'être connu. On a contribué à faire connaître les artistes. Donc, c'est pas vrai que c'est plus facile quand l'artiste est connu. Il y a plus d'exigences quand l'artiste est plus connu. Alors, la source en deuxième, le premier paragraphe qu'on appelle
excusez d'avance l'expression, on appelle ça le lead. Je sais que c'est une expression anglophone, mais c'est l'amorce, le premier paragraphe. Si le journaliste voit le titre, la source et le premier paragraphe, s'ils sont satisfaits, ils vont se rendre jusqu'au contenu du texte. Sinon, le train va passer, il va en avoir une centaine d'autres dans la journée et vous ne reviendrez plus. Donc, le titre, la source et surtout le premier paragraphe, avec les choses importantes écrites en caractères gras. Le but là, d'un communiqué, là, c'est pas juste... Oui, c'est de vendre. On ne dira pas du mal de notre produit culturel dans un communiqué. Au contraire, c'est de vendre. Mais ce n'est pas de la vente à pression, c'est de donner des faits, de rendre factuel ce qu'on vit. Alors, ça sert à deux choses principalement, un communiqué de presse. Ça sert aux gens qui soit font de la radio, sont animateurs. Souvent, on nous oublie, mais il y a des animateurs de nuit, il y a des animateurs dans toutes les stations, communautaires, commerciales et tout. Ils ont besoin de stock. Là, je ne sais pas, moi, Radio-Radio lance un disque, je pense que c'est demain, ou Marie-Chantal Toupin et tout ça, sont tous invités en radio partout. Mais encore faut-il qu'ils aient un communiqué pour savoir c'est quoi le nom du disque, etc. Quand il y a une première d'un film, là, le film va sortir, la chasse-galerie, etc. Il faut que l'animateur ait ça en main rapidement et souvent, tout ce qu'il y a à le faire entre deux chansons, c'est le lead, justement. Excusez-moi, mais c'est parce qu'on le dit. Les mots anglais que je dis, c'est parce que dans la vie courante, on les dit. Fait que pour ceux qui ne savent pas, il faut s'habituer. L'amorce. Bon. Alors maintenant, les journalistes, là, ils en reçoivent entre 100 et 200 par jour, sinon pas plus. Donc, arrangez-vous qu'ils soient faciles à ouvrir, faciles à lire et accrocheurs. Comment on les... J'en reçois beaucoup de communiqués parce que je suis chroniqueur dans une station de radio et également pour mes cours à l'université et tout ça. Et il y a des différentes façons de les envoyer. Est-ce qu'on les met en pièce jointe PDF? Est-ce qu'on les met en pièce jointe Word? Et est-ce qu'on les met dans le body mail ou dans le corps du courriel? Toutes ces réponses sont bonnes. Dans le corps du courriel pour pouvoir l'imprimer rapidement, mais très souvent, on imprime soit la version PDF si on veut l'avoir sous la main avec photo et tout ça. Pourquoi version Word aussi? Parce que certains journalistes vont faire du copier-coller avec certaines phrases. Donc, ça va les faire qu'ils soient en PDF puis qu'ils ne soient pas capables de faire du coller-copier puis qu'ils soient obligés de retaper la phrase ou la citation de quelqu'un. Donc, les trois, PDF, Word et dans le corps du courriel. Vous allez recevoir dans votre dans le diaporama chez vous les 10 commandements. Les 10 commandements, on est à la veille de Pâques bientôt. Les 10 commandements du bon communiqué. Alors, quels sont-ils? Une page et demie maximum. Des affaires de 3 pages, là. Vous pouvez après donner un dossier de presse avec des fiches techniques, la programmation, les dates, etc. Mais le communiqué chapeau, celui qu'on envoie, quand le journaliste l'imprime, puis que là, ça ne s'arrête pas de sortir, là, c'est bien fatigant. Et vous ayez avant même de vous connaître. Donc, une page et demie maximum. Le logo, évidemment, rappel visuel de la compagnie, la date. Et embargo, s'il y a un embargo, la date et l'heure de l'embargo. Un embargo, ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de le diffuser avant tel jour, mais il faut le dire. Et en général, ils respectent. L'introduction, donc le lead. L'amorce, c'est les 5 W. Ça, c'est qui, quand, comment, pourquoi, là. Factuel. Pas d'humour, puis pas de poésie. Après ça, la règle, le séquentiel. Donc, développer chacun des paragraphes avec l'ordre décrit dans l'amorce. Et terminer le communiqué par le chiffre 30, avec la source en bas. Et souvent, la source qui a écrit le communiqué, il faut savoir qui l'a écrit, mais c'est des fois différent de à qui appeler pour des demandes d'entrevue. La source, c'est qui l'a écrit, puis en dessous, pour information, vous mettez donc le nom de l'attaché de presse, parce que souvent, c'est l'organisme qui écrit son communiqué, et l'attachée de presse, dépendant du deal qu'elle a fait avec l'organisme, et la personne qu'on va appeler pour les entrevues, mais c'est bon de le préciser. Alors, pourquoi le chiffre 30? Ça, c'est une vieille légende urbaine. La Première Guerre mondiale.
quand il s'envoyait en morse des affaires. Ça, j'ai su ça, je ne sais même pas si c'est vrai. Il s'envoyait des affaires, puis un truc qu'un journaliste avait trouvé à la fin de son truc de morse, que je vais dire 30 quand ça va être fini. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est toujours ce que j'ai appris. C'est pour ça qu'il y a un journal qui s'appelle Le 30, qui est le journal de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Maintenant, comment travailler avec les journalistes? Qui sont-ils? Quelle sorte de race? Les journalistes ne sont pas au service des attachés de presse. C'est des partenaires d'affaires. Idéalement, des camarades de travail. OK? Ils ne sont pas des amis, ils ne sont pas des ennemis. C'est des partenaires d'affaires. Et ils ne sont surtout pas au service des attachés de presse. On ne leur dit pas quoi écrire et quoi penser. Ils sont là pour informer les médias de ce qui se passe. Et ils sont là pour nous écouter dire la vérité. La pire erreur qu'un attaché de presse peut faire avec un journaliste, il y a deux choses. Soit de toujours exagérer les qualités de sa production. Il fait ça une fois, deux fois, trois fois, la quatrième fois, là, wow, tu sais, on repassera. Et ça, j'ai déjà vu un attaché de presse pas perdre sa job, mais avoir de moins en moins de clients parce que tout était exceptionnel. C'est pas vrai, tout n'est pas exceptionnel. Et la pire erreur aussi qu'un attaché de presse peut faire, c'est d'appeler un journaliste pour l'engueuler parce qu'il, dans sa critique, il ne pense pas comme lui. Ça, là, très, très, très loser. On ne fait pas ça. Je vais vous donner un exemple. J'étais à la radio et, oui, je me suis fait mettre dehors d'une station de radio parce que j'avais refusé. Et là, un jour, je travaille avec Guy Latraverse, je vous l'ai déjà dit, et mon entrevue d'embauche, je ne sais pas s'il savait, je n'ai jamais su s'il savait ou pas, mais mon entrevue d'embauche, il m'explique qu'il travaille avec Charles Bois, etc., et que c'est tout le début d'Yann Dufresne, c'est même avant Beaudommage, donc ils vont des chants et tout ça, mais que pour aider les artistes québécois à grandir et à se développer, ce qu'il fait, c'est qu'il fait venir beaucoup d'artistes français. Alors, c'était la grande époque d'Enrico Macias, Alain Barrière. J'ai remarqué qu'il revenait, Enrico Macias, mais c'était à la grande époque. Et il me dit, et il y a celle qui est la plus rentable en termes pour aider à payer et à développer les artistes québécois, c'est Mireille Mathieu. Alors, la première question qu'il me demande, il dit, bon, on va passer à un test. Il y a des journalistes devant toi. Qu'est-ce que tu dis sur Mireille Mathieu? Alors, je dis, bien, c'est une des plus grandes artistes actuelles et c'est une des artistes les plus populaires actuellement dans le monde et elle a une voix magnifique et c'est elle qui vend le plus d'albums. Est-ce que j'ai dit un mensonge? J'ai rien dit. Est-ce que j'ai dit que chez nous, je ne l'écoutais pas? Pas obligé de dire. La preuve, c'est que moi, chez nous, là, les gens ne savent pas, mais tu sais, je peux écouter du Pink Floyd, puis après ça, le deuxième concerto de Rachmaninoff, puis c'est pas grave, c'est mon chez moi, c'est jamais, jamais, jamais les gens, quand je travaille avec des artistes, savent ce que j'écoute, ce que j'aime ou ce que j'aime pas chez moi, je le dis pas, parce que c'est pas dans ma vie professionnelle. Et j'ai toujours appris, après cet épisode, j'ai eu ma leçon, j'ai toujours appris à aimer quelque chose d'un artiste avec qui je travaillais. Jamais j'ai travaillé avec un artiste, que ce soit un écrivain, un danseur, un comédien. J'ai toujours trouvé des choses extraordinaires chez mes artistes parce que tous les artistes ont quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, quand je commençais à travailler avec des artistes, quelle que soit la nature de ce qu'ils faisaient ou le domaine, j'allais toujours souper, pas dîner avec, j'allais toujours souper avec, tout seul avec l'artiste, pour savoir ce qu'il y avait avec une bonne bouteille de vin, pour savoir, tu sais, triper. Puis après ça, je les connaissais mieux, puis j'arrivais mieux à les vendre. Mais c'est au-delà du 9 à 5 du bureau, là. Il faut que tu connectes, il faut que tu aies une chimie qui se passe. Mais la chimie, elle n'était pas nécessairement juste jazz, juste classique, juste populaire. Il n'y avait aucune distinction entre les sortes de musique pour moi et aucune distinction entre les sortes d'artistes. Donc, j'arrivais toujours à dire la vérité aux journalistes. Je dis toujours qu'il faut toujours dire la vérité. On peut la photoshopper un peu, mais toujours ne jamais, 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 jamais mentir. Alors, qu'est-ce qu'ils aiment, les journalistes? Ils aiment les histoires exclusives, les histoires claires. Ils aiment les nouvelles qui touchent les gens.
Ils aiment les choses qui rejoignent le vrai monde. Les grandes pensées philosophiques, là, oubliez ça. On n'a plus le temps de ça et on ne rejoint pas le monde avec ça. On rejoint le grand public. On ne rejoint pas les chercheurs d'université quand on parle dans les journaux ou quand on parle à la radio. On rejoint le 7 à 77 ans, tout âge, tout revenu, sexe confondu, etc., etc. Fait qu'on parle large. C'est sûr qu'on parle moins large dans le devoir, puis on parle, mais quand même. Donc, des informations, des nouvelles qui touchent les gens, l'information bien écrite. Alors, il y en a qui pensent que parce qu'on est sur une ère de réseaux sociaux, c'est pas nécessaire de bien écrire son français, on se met un doigt dans l'œil. L'information honnête et véridique, je pense que dans une heure, je vais vous l'avoir dit à peu près 15 fois. Peut-être que finalement, je me répète, mais volontairement. Et le respect. Vous savez, il n'y a pas de petits journalistes et il n'y a pas de petits médias. La présidente actuelle de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, qui s'appelle Lise Miette, qui est une très bonne journaliste, qui est à la Presse canadienne, qui est à Canoë maintenant. Moi, je l'ai connue, elle lisait les nouvelles à la radio communautaire du Vieux-Longueuil. C'est là que je l'ai connue et elle a grandi. Moi, je pense que, il me semble que Nathalie Petrovski a travaillé à CIBL il y a très longtemps. Un gars qui s'appelle, un journaliste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Luc Boulanger, je l'ai connu il y a des années au début de Voir. Et donc, des journalistes qui commencent, j'ai connu une journaliste qui est à Ottawa qui est rendue maintenant. Il a fait le Journal de Montréal, puis il est rendu maintenant à la Presse. Donc, il n'y a pas de petits journalistes, il n'y a pas de petits médias. Les journalistes nationaux, régionaux et locaux sont tous aussi importants les uns que les autres. Et ce pourquoi, aujourd'hui, je m'entends toujours bien avec ces journalistes-là, c'est justement parce que quand ils étaient dans des médias moins importants, je les considérais, je les respectais, et ils s'en souviennent aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que les journalistes aiment? Les communications dans les bons comme dans les mauvais jours. Je m'explique. C'est le fun. Tu appelles, ils lancent son disque, c'est 200 000 vendus, 50 000 vendus, tout va bien, tout va bien. Oups, il y a une crise. Oups, il rentre à l'hôpital. Oups, il y a quelque chose. Là, le journaliste appelle l'attaché de presse. What's happened? Qu'est-ce qui se passe? Est-il vrai que? Est-il vrai qu'il est en désintoxication? Est-il vrai que? Et là, silence radio au bout de la ligne, l'attaché de presse n'est plus là. Et ça, là, ils n'aiment pas ça, puis ils ont bien raison. Alors, ça s'appelle « dans les bons comme dans les mauvais jours ». Évidemment, la nouveauté et la perspective, ça, ils aiment. La compréhension de leurs besoins. Les journalistes, actuellement, travaillent sur je ne sais pas combien de plateformes. Ils sont sur Facebook, ils sont sur Twitter, ils ont des blogs. Ils écrivent pour 4 médias en même temps. Ils sont plus occupés que jamais, donc il faut comprendre leurs besoins. Vous autres aussi, vous êtes plus occupés que jamais, nous autres aussi, mais on demande aux gens de respecter notre travail, bien, il faut respecter le leur. Évidemment, ils veulent avoir accès à des lieux et à des gens. Nous, qu'est-ce qu'on est pour eux? Des facilitateurs. Il y a un journal, il y a un article qui est paru dans l'actualité il y a plusieurs années, et l'article s'intitule « Dis-moi qui je suis ». Et là, on a interviewé beaucoup de journalistes qui parlaient des relationnistes. Et il y a René Vizina là-dedans, il y a des journalistes qui disaient « Les attachés de presse, pour nous, c'est des facilitateurs. » Il y en a qui disaient « C'est un mal nécessaire », ça, avec une pointe d'humour. D'autres, c'est des facilitateurs. Et les bons attachés de presse ou les bons communicateurs nous permettent, nous, d'être meilleurs. Donc, c'est une roue qui tourne. Aidez-nous à vous aider. Fait que si, moi, je les aide, ça va m'aider parce qu'il va avoir plus... gratte-moi dans le dos, là. Bon. Si on est toujours, toujours, toujours efficace avec eux autres, si on trouve toujours, toujours l'information puis qu'on est bien efficace, s'il y a une page blanche un après-midi, qu'elle dit, ouais, qu'est-ce que j'écrirais bien sur quel sujet demain? Qui pensez-vous qui va appeler ou qu'elle va appeler? La personne qui sait qui va rejoindre et qui va avoir très certainement quelque chose à leur compter. Moi, je me souviens qu'il y avait, c'est pareil avec le recherchiste dans le bouquin Radio-Télévision, c'est pareil. Il y a une fille qui est à la retraite maintenant, qui était chef recherchiste à, je
sais pas s'il y en a qui se souviennent de l'émission Ad Lib. Ça fait longtemps, là. Mettons qu'on est bel et bon, là. Et elle était recherchiste, puis elle disait, avec toi, c'était facile parce que tu arrivais toujours avec des angles. J'arrivais toujours avec mes pitchs d'avance, ce qui fait que, oui, mais de quoi on va parler? Bien, toi, on pourrait parler de ça à Ad Lib, puis à l'émission de Radio-Canada, on pourrait parler d'autre chose. Puis j'avais tous mes angles préparés pour faciliter la vie aux recherchistes et aux... On est des facilitateurs et on est des haut-parleurs. Qu'est-ce que les journalistes n'aiment pas? Il y en a pas mal. Ils haïssent les gens qui font des cassettes. C'est-à-dire qu'ils posent des questions, puis tu réponds toujours à côté de la question, mais ils te posent la question trois fois, puis tu réponds toujours la troisième fois à côté de la question. Ça, ils haïssent ça, et ils ont bien raison. Ils détestent aussi les mensonges, ça, je vous l'ai assez dit. Alors, donc, toujours la vérité. Ils n'aiment pas les pas de commentaires. Alors, la grande école du pas de commentaires, là, à bannir, pour moi, à bannir. Là, vous allez me dire, ben oui, mais quand il n'y a pas de, qu'on ne peut pas, qu'est-ce qu'on dit? On dit, je ne peux pas. On dit « Je ne peux pas te répondre à cette question-là. J'ai pas le mandat pour te répondre. Parce que pas de commentaire, ça sous-entend que vous le savez, puis qu'il y a anguille sous roche, puis des choses bizarres. La cassette, répondre pas à la question. Alors, les conférences de presse mal organisées, genre pas de stationnement, genre le podium est devant la vitre, fait que la caméra a de la misère parce qu'il n'y a pas d'écran en arrière. » Genre, pourrais-je voir vos questions avant l'entrevue? Ça, ils haïssent bien ça. Pourrais-je voir votre reportage avant sa publication? Ça, c'est encore pire. Et pas de commentaire. Et là, vous allez me dire, oui, bien, comment tu fais pour donner un scoop? À qui tu donnes un scoop? Et est-ce que tu en donnes? Oui, j'en donne des scoops. J'en ai donné. J'en donne pas mal moins maintenant. Et comment je faisais pour donner des scoops? Bien, des fois, c'était à la presse. Des fois, c'était au Journal de Montréal. Des fois, c'était au Devoir. Des fois, c'était à... C'était pas de la même... Souvent, je respecte beaucoup, beaucoup les journalistes qui fouillent. Un journaliste qui fouille, il mérite d'être aidé. Alors, quand un journaliste m'appelait et il me disait, il y a la rumeur, comme mettons, j'étais à la télévision, la rumeur que un tel grand personnage vient animer ou telle émission va avoir lieu chez vous, et que c'était vrai, je disais la vérité. Je disais pas que c'était vrai. Je disais la vérité, c'est-à-dire, je ne peux pas te le dire. Je n'informe pas, je ne confirme pas. Je te promets une chose, par exemple. Tu as assez bien travaillé. Je te promets que si ça arrive et que c'est confirmé, tu vas être le premier à savoir. Sauf que vous le faites pour vrai. Vous faites le piège une fois, c'est terminé. Il y a un chef des relations publiques qui travaillait avec moi à TQS. Et puis, bon, il commençait, il n'était pas très habitué. Puis, c'était Louis Scuzuno qui était à la presse à ce moment-là, puis il avait fait un petit mensonge mépieux, là, tu sais, un petit mensonge. Je pense que Louise m'en a parlé pendant un mois. Alors, il y a eu sa leçon. Les gens détestent ça parce que tout ceci, on est au Québec, tout ceci, et surtout avec les réseaux sociaux maintenant. Alors, comme ça, maintenant, les grands centres, les régions, les médias nationaux, locaux, régionaux, tous ces médias-là sont importants. Quand moi, je donne des formations j'ai été à Saint-Agapit, Saint-Apollinaire, donc en Beauce, en Estrie. C'est important, je m'informe toujours de quels médias, je ne les connais pas tous par cœur, mais ils sont tous importants et ce n'est pas parce qu'un média est régional ou local ou que c'est le Courrier du Sud ou le Courrier Rive-Nord que c'est moins important et qu'on doit moins leur parler. Les relations de presse sont un petit peu différentes. C'est sûr que dans les médias régionaux, le mur est moins étanche entre le rédactionnel et le publicitaire. C'est sûr que si, pour un événement culturel, on achète trois pages dans un journal local ou régional, c'est sûr que l'article va être pas mal plus facile à avoir, puis que ça se peut qu'il y ait une mineure à la une. Jamais dans un journal national, vous faites ça, par exemple. Entre la rédaction et la publicité, c'est un mur, le mur de Chine, dans le sens que j'ai déjà même vu dans la presse un spectacle d'un auteur-compositeur-interprète présenté par la presse, parce que ça, c'est un autre cours, là. Le culturel n'a pas l'argent pour payer plein prix les annonces publicitaires, donc il y a toujours des deals.
des partenariats médias. Donc, c'était présenté par la presse. Et à côté, dans la même page, il y avait la critique qui démolissait le show. Aucun rapport. Et n'appelez jamais au Journal de Montréal ou à la presse ou au Devoir en disant « Vous êtes partenaire avec moi, donc vous allez me couvrir. » Ça va être… Hey, les journaux locaux, c'est un petit peu différent. C'est pas tout à fait pareil, mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est aussi important en région, localement, que dans les grands centres. Maintenant, les événements médiatiques. Les fameuses conférences de presse. Ça vaut-il la peine d'en faire? Si on s'écoutait, on en ferait 15 par semaine, puis les journalistes, ça irait bien ça. Quand est-ce qu'on organise une conférence de presse? Quand c'est d'importance et d'intérêt public. Quand c'est juste important et pas d'intérêt public, non. Il faut que ça soit les deux combinés. OK? Si on ne répond pas aux deux questions, oubliez ça. Faites autre chose. Envoyez des communiqués, faites des téléphones, mais faites autre chose. Maintenant, il y a des étapes, et là, vous allez avoir dans le diaporama toutes les étapes. Et c'est les mêmes étapes, même si j'ai ajouté les réseaux sociaux et tout ça, mais c'est les mêmes étapes qu'il y a 10 ans. Et je trouve ça très drôle parce qu'il y a des étudiants de l'université que je revois maintenant dans les maisons de production, puis ils gardent toujours la feuille des étapes à côté d'eux autres, pas l'oublier. Puis moi-même, quand j'en organise une, je relis mes propres étapes. Donc, les invitations. Les invitations. Donc, le pourquoi, l'importance et tout ça. Maintenant, le choix. Ah oui, le choix de la date, du lieu, de l'heure, là, bien important. Évidemment, à l'époque, on ne faisait jamais ça le vendredi parce qu'ils ne travaillaient pas. Maintenant, ils travaillent tout le temps. Donc, des lancements de disques et tout, il faut faire attention aux heures de tombée. Les tombées des journaux de fin de semaine ne sont pas les mêmes. Les journaux locaux, avant les tombées, s'ils sortent le mercredi, la maquette se fait le lundi, est imprimée le mardi. Donc, toujours travailler en fonction des heures de tombée. Les lieux, il y a une chose qui est bien importante pour le lieu. Ce n'est pas la qualité du son. Oui, le son est bien important, mais pas la qualité du petit sandwich pas de croûte, là. Y a-tu un stationnement? S'il n'y a pas de stationnement, il est-tu à côté d'un métro? Mais comme 50-75% ont des voitures, stationnement à proximité. Maintenant, les dates, les lieux, vous savez que les dates, s'il y a 3 lancements de disques la même journée, là, ils vont aller, la caméra, il y a une caméra culturelle, là, elle va se déplacer au plus important. C'est pour ça qu'à l'époque, j'avais créé, puis ça marche encore maintenant, semble-t-il, je trouve ça très drôle, à la disque, pour ça, c'est pour les arts vivants, il y a un outil qui s'appelait, et qui s'appelle encore l'agenda disque. C'est moi qui avais trouvé ce nom-là. Pour qu'on s'inscrive et que le monde ne se pile pas ses pieds. C'est une journaliste qui était chroniqueur, que tout le monde connaît bien, Francine Grimaldi, qui était chroniqueur à Radio-Canada, et qui avait dit, Thérèse, parlez-vous, faites quelque chose. Mais là, quand vous êtes les 3 agences de relations de presse qui lancez vos événements de mardi soir à 5 heures, là, nous autres, on n'est pas niés. C'est là qu'on avait créé cet outil-là. Les méthodes, ah oui, quand est-ce qu'on fait une conférence de presse sans nommer l'événement pour lequel on invite? Est-ce que ça existe? J'ai le plaisir de vous inviter, ou la mairesse ou le maire a le plaisir de vous inviter à une importante conférence de presse où une importante nouvelle va vous être donnée mardi à 10h30, je ne sais pas quoi. Ça, c'est risqué. Assurez-vous qu'elle soit bien fracassante, votre nouvelle. Je vous avouerai que je l'ai fait juste 2 fois. La première fois, j'étais à TQS, donc le vice-président du programme vous invite à une nouvelle fracassante, et c'était donc encore Louise Cousineau, puis elle m'avait appelé. « Hey, il est mieux d'être bonne, ta nouvelle, nous inviter à l'aveugle de même. » C'était le retour de Jean-Luc Maugrain à la télévision. Fait que c'était assez hot. Et tout le monde m'avait dit « OK, c'est hot. » Le dernier, c'est il y a 1 an, même pas il y a 6 mois. C'est un musicien très, très important. Mais ce qu'on avait fait, c'est qu'on l'avait dit sous embargo à certaines personnes pour être sûr que la caméra soit là, mais c'était à l'aveugle. Mais ça, faites pas ça souvent. En fait, faites-le presque jamais. Jamais. Méthode d'envoi, évidemment, courriel. Mais imaginez-vous donc qu'il y en a qui utilisent encore la poste. Pas plus tard qu'il y a 1 an, à peu près jour pour jour, il y avait l'envoi, il y avait le lancement de Jean Leloup. Il y a à peu près 1 an, janvier 2015.
Alors, bon, moi j'étais super cruel, comme bien du monde, mais c'était, ça s'appelait Paradisité, tout le monde le sait, et c'était au planétarium. C'était génial. Ça s'appelait Paradisité, c'était au planétarium, tu rentrais là, tu écoutais le disco complet, et là, tu partais en voyage, en regardant un show d'étoiles. C'était hyper bien pensé. Et j'ai su que les journalistes de la presse écrite et d'autres journalistes et tout avaient reçu des cartes d'embarquement. Je voulais vous en apporter une, je l'ai oubliée. Des vraies cartes d'embarquement pour aller dans le voyage de Paradisité. Et plus tard, donc, vous savez, le disque a bien marché, 112 000 copies vendues en date de la semaine dernière, un an, ça va bien, il a tout raflé. Et là, quand les spectacles ont commencé, écoutez, j'ai reçu chez moi une carte postale, chez moi. Et là, je fais, écoute, ouais, tout le monde court à la poste quand c'est autre chose qu'une facture ou qu'une demande de don, là. Je fais, quoi? Là, je regarde, il est marqué « Salut Thérèse ». Pas moi qui l'ai ajouté, là, je vous jure. Il est marqué « Salut Thérèse ». Et là, je ne peux pas expliquer. J'ai vu le grand mug des marguerites, les flamants roses, les couchers des deux soleils. Ça n'arrête pas. Il faut que tu vois par toi-même que penses-tu de se rencontrer au spectacle Métropolis, etc. RSVP Paradisité at équipespectra.ca. C'est l'équipe Spectra. Et c'est mon nom, là. C'est pas le nom de mon voisin. Ça veut dire qu'ils ont écrit je ne sais pas combien de cartes postales. J'imagine que ce bout-là, c'est tout le monde a le même puisque ça doit être printé, là. Mais il est marqué mon nom. Bien, tout le monde en a parlé dans l'industrie. Écoutez, les billets sont vendus et tout le monde a fait un papier sur ça. Alors, je dis toujours à mes étudiants, vous allez être audacieux. Si vous recommencez à faire des choses par la poste, eh bien, qu'est-ce que vous pensez des files de presse? Les files de presse, donc CNW et tout ça, vous vous en servez, mais ça ne sert pas beaucoup au culturel. C'est surtout pour les nouvelles comme d'actualité. Alors, les chroniqueurs qui travaillent souvent de chez eux n'ont pas le fil de presse, reçoivent pas. Donc, les fils de presse servent quand il y a une nouvelle, un artiste qui est très malade, qui doit annuler un show ce soir, il faut que ça passe aux nouvelles de 6 heures. Là oui. Mais sinon, vous le faites, mais vous fiez pas seulement sur ça. Les réseaux sociaux, est-ce que vous le faites? Oui. Mais est-ce que ça remplace? Non. C'est complémentaire. Et puis, c'est une autre sorte d'invitation. On y reviendra tout à l'heure. L'équipement technique, les invitations, méthode d'envoi. Il n'y a rien de pire. Je l'ai encore vu la semaine dernière. Il n'y a rien de pire qu'une conférence de presse où on attend, puis l'artiste vient raconter son émotion, puis pourquoi. C'était public, c'était à l'Hôtel de Ville de Montréal, c'était les artistes pour la paix, puis... Et à un moment donné, c'était mon ami Judy Richards qui parlait, qui était exceptionnelle, puis pleine d'émotions. Elle parlait des artistes pour la paix. Elles sont arrêtées. C'est plate dans ce temps-là. Il n'a pas arrêté longtemps, puis il y a un technicien qui a couru en avant, qui a raccordé un fil. Mais ça, c'est ma hantise, moi. Donc, quand on organise une conférence de presse, allez-y toujours d'avance. Trois tests valent mieux qu'un. Allez-y dans l'après-midi, testez votre son. Gardez toujours, toujours un technicien. Moi, mon meilleur ami, mes journées d'événements, c'est les techniciens. Parce que je panique, là, tu comprends? La signalisation. Là, un journaliste va dans une conférence de presse, puis il y en a deux, trois dans la même journée. Il y en a un qui est à l'hôtel. Je l'ai vécu, je vais vous le conter. L'hôtel de la Cité à Montréal. Et c'était une grande cantatrice, c'était en musique classique, donc. Et j'attendais à peu près une 60, 75 personnes. Et là, il est midi, puis il y en a 6, 7, et là, la panique me pogne. Et là, je réalise que les gens de l'hôtel avaient mal indiqué où c'était, fait qu'il y en a qui étaient repartis chez eux. Alors, le lendemain de ça, je me suis acheté des lutrins. Je me suis fait des coroplaces publicité Thérèse David avec des flèches velcro qui indiquaient. Je me suis fait ma propre signalisation et je peux vous dire que maintenant, j'arrive 2 heures d'avance et la signalisation, je vous jure, elle est faite. C'est avec ces erreurs qu'on apprend. Préparer, ne jamais changer de scénario sans l'approbation de si vous avez un ministère ou si vous avez des élus qui parlent, jamais à dernière minute changer. Et toujours préparer, je vais dire, une fiche question-réponse. Si vous entendez Q&A, c'est pareil, mais fiche question-réponse, c'est en français,
toujours préparer un Q&A avec les intervenants avant. Maintenant, la décoration, comment on fait ça? C'est pas compliqué, la décoration, c'est les bannières des commanditaires. Et est-ce que vous devez les mettre? Oui, vous devez les mettre, parce que vous n'allez plus en avoir l'an prochain si vous ne les mettez pas. Et vous arrangez toujours que ça soit en arrière, juste en arrière, à droite et à gauche, de la personne qui parle. Maintenant, les allocutions. Rédigez au moins une semaine avant. Et rédiger une allocution, là, ce n'est pas écrire, c'est parler. Quand on écrit une allocution, on la parle. Le langage écrit et le langage littéraire, c'est deux sortes de langage. Pas des mots trop difficiles que le locuteur va avoir de la misère à dire, des phrases très courtes, des punch, c'est pas du tout le même genre, mais vous l'envoyez toujours à tous les intervenants au moins une semaine avant. En aucun cas, vos intervenants doivent lire un discours. Remarque que quand tu es pogné avec quelqu'un, c'est mieux qu'ils lisent qu'ils disent n'importe quoi. Vous allez me dire, oui, c'est vrai. Mais idéalement, répétez avec la personne qui parle, répétez avec des points de forme, mais idéalement, ne pas lire. Relance téléphonique. Je vais vous dire quelque chose. À la maison et vous dans la salle, le téléphone existe encore. Ça marche encore, cette petite bebelle-là. De même, là, en tout cas. Et les gens, ils disent, je ne téléphone plus. J'ai envoyé 3 courriels. Non, ce n'est pas assez. Les gens reçoivent. Moi, quand j'étais à la ville de Longueuil, puis j'étais un petit chef du bureau de la culture, je n'étais pas un journaliste, là, j'en recevais 80 par jour. Les journalistes en reçoivent entre 200 et 300. Les recherchistes, c'est pareil. Et quand tu appelles 287-285-7070, c'est encore le numéro de la salle de rédaction de la presse, même s'il n'y a plus papier, elle a encore le téléphone. Et vous allez toujours rejoindre quelqu'un parce qu'ils sont tellement étonnés quand le téléphone sonne qu'ils prennent tout de suite le téléphone. Ça existe encore. Et, bon, évidemment, relance courriel, c'est vrai, et vous allez très vite. Hein? Je t'appelle pour... Oui, vous pouvez demander comment vont ses enfants, là, sauf que vous soyez bien proche de lui, mais ils n'ont pas le temps de commencer à tergiverser sur l'histoire de l'heure. Et je vous les ai mis, vous allez les avoir par écrit dans le diaporama, toutes les étapes à suivre. Si vous suivez ces étapes-là, je vous jure, ça va bien aller. Qu'est-ce qu'on fait avec les élus, les députés, les ministres? Qu'est-ce qu'on fait avec eux autres? Quand est-ce qu'ils parlent? Il y a deux écoles de pensée. Quand on donne une subvention, quand un ministre donne une subvention, en général, il parle en premier. Et quand c'est pour inaugurer une salle, inaugurer un vernissage et tout, en général, c'est la personne qui reçoit dans la Maison de la culture qui parle en premier. Donc, si c'est le maire ou le porte-parole du maire, après ça, et tu finis par le ministre ou la ministre. Exemple, la Fête nationale du Québec à Montréal, je faisais toujours une espèce de scénario, une réunion protocolaire à l'Hôtel de Ville. C'était toujours le maire qui commençait parce que c'était chez lui, il invitait les gens chez lui. Et après ça, il y avait des députés du coin qui parlaient du coin où a lieu la Fête nationale. Il y avait les chefs d'opposition, puis ça finissait par le représentant du premier ministre. Du plus petit au plus grand ou vice-versa. Les entrevues radio-télévision, ça s'appelle du booking. Excusez-moi encore avec le mot... anglais, mais vous allez tellement l'entendre qu'il faut que tout le monde sache c'est quoi. Ça, c'est un travail bien difficile. C'est un travail qui demande de l'abnégation. C'est du 9 à 5, c'est du téléphone ou du courriel, beaucoup de courriels maintenant. C'est beaucoup de mémoire, c'est beaucoup de méthodologie. Il y en a des émissions où tu peux booker des artistes. Il y a eu une époque où il n'y en avait pas beaucoup. Maintenant, il y en a. Mais tu sais, on vend des créateurs, c'est tellement le fun. Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord pour... Oui, vous allez me dire, comment on fait une liste de presse? Bien, c'est pas compliqué. Il faut tout lire, tout regarder, tout écouter. Vous savez qu'à la fin de chaque générique, il y a les noms des recherchistes. Hein? Donc, oui, mais vous allez dire, il y en a qui vendent leur... Oui, il y a Blitz, il y en a, on peut acheter des listes de presse, on peut les travailler et tout ça. Mais c'est encore mieux quand on regarde tout, écoute tout et lit tout. Parce qu'après, quand on parle aux journalistes, on n'a pas l'air de quelqu'un qui n'est pas au courant que non, on ne fait pas de danse dans cette émission-là, mais ça, c'est une émission littéraire, donc on ne fait pas d'art vivant. Il n'y a rien de plus insultant pour un journaliste ou un recherchiste qui se fait appeler. Et là,
le recherchiste dit poliment à l'attaché de presse, « Bien, écoute, chez nous, c'est parce qu'on fait pas, on parle pas de telle chose, de telle... »« Oui, mais c'est parce que je la regarde jamais, votre émission. » Hey, c'est tellement insultant. Un jour, je suis donc dans un... Je suis à TQS et j'ai une attaché de presse. Je dis, « As-tu vu ce matin dans le Devoir, je me souviens plus où? » Elle me dit, « Non, j'ai pas lu les journaux ce matin. » Je dis, « Pardon? » Elle dit, « Non, je lis jamais les journaux le matin. » J'ai dit, « T'es liquant? » Ben, elle dit, « En fin de journée, quand je reçois ma revue de presse. » J'ai dit, « Parce que tu lis seulement la revue de presse qui parle de tes affaires? » Oui. « Tu lis pas tous les journaux tous les matins? » « Non. » « Ouh! » « Eh bien, sachez qu'il faut lire tous les journaux tous les matins de A à Z. » La seule chose que moi, je me permets de pas lire, c'est le sport. Je suis pas bien, bien sport. Mais je lis tous les journaux, au moins minimalement, art et spectacle quand tu travailles en culture. Pas juste le journal que tu préfères, là, tous. Et il faut tout écouter. Il faut tout regarder. Là. Quelqu'un qui veut booker à Belle et Baume, qui n'a jamais regardé Belle et Baume, il ne sait pas. Quelqu'un qui est bon, ça c'est rare, quelqu'un qui n'a jamais écouté, tout le monde en parle, mais il faut que tu saches à qui tu parles, il faut que tu connaisses les gens à qui tu parles. C'est très insultant sinon. Alors, les qualités, méthodologie, agenda, est disponible constamment. Tu appelles Perrin, Radio-Canada, ou tu appelles n'importe quelle émission et tu dis « Je veux booker tel auteur. » Oui, je le prendrais, c'est bon, ça a l'air que c'est bon ce qu'il a fait, etc. Mais écoute, je ne peux pas avant 3 semaines, c'est déjà pas mal booké. Rappelle-moi dans 3 semaines ou si j'ai une annulation, je vais t'appeler entre-temps. Et là, 2 jours après, il y a une annulation, il appelle. Et vous n'êtes pas là. Ça s'appelle « coucher avec le cellulaire en dessous de l'oreiller ». Vous pouvez être appelé à 5 heures du matin en disant tel artiste, les recherchistes pour les émissions du matin, ils rentrent à 5 heures. Ça se peut que vous soyez appelé. Il faut être disponible, beaucoup. Après ça, aptitude en relations publiques, lesquelles? Disponibilité, patience, diplomatie, souplesse et rapidité d'intervention. Là, j'ai fait la même chose que pour les conférences de presse. Je vous ai mis toutes les étapes à suivre et vous allez les avoir complètes. Donc, les recherchistes là, sont très occupés. On n'y est pas. Quand on les appelle, on a tout en main. Même le numéro d'assurance sociale de notre artiste, là, on a tout en main. Le dossier de presse. Là, exemple, tu appelles. Oui, j'étais l'artiste. Puis là, ah oui, mais j'aurai un trou peut-être lundi prochain. Est-ce qu'il est disponible? Je ne sais pas, je vais l'appeler puis je vais te rappeler. Vous venez de faire perdre 10 minutes à un recherchiste qui n'a pas 10 minutes à perdre. Fait que disponibilité de votre artiste, tout. Vous n'avez pas besoin de le rappeler pour confirmer qu'il a dit oui. Oui, j'accepte. Oui, il va accepter. Oui, il va faire tel tune. Oui, il va être là à l'heure. Et oui, il va pas de transport, pas de problème. Faire suivre, évidemment, rapidement les documents nécessaires. Rappel téléphonique. Accompagnement. On accompagne toujours un artiste en entrevue. Vous ne laissez pas aller un artiste tout seul. Il y a une émission où tout le monde en parle qui se fait le jeudi soir. Ça commence à 5-6 heures, puis ça finit souvent à minuit. Là. On ne laisse pas un artiste tout seul pour aller à des émissions. Vous n'êtes pas obligé d'y aller vous-même, mais assurez-vous qu'il y a quelqu'un de confiance avec lui ou elle. Au moment de l'émission, enregistrez l'émission et regardez avec l'artiste. Les sujets à aborder. Attitude gagnante, souriant. Regarder le journaliste devant soi et surtout pas dire « Ah, on me pose toujours cette question-là » et montrer de l'intérêt pour le média pour lequel il travaille et connaître son média. Maintenant, l'importance de la préparation, il faut se préparer. On n'a pas une deuxième chance de faire une première impression. Là. Et une perception maintenant, c'est ça la réalité. Donc, c'est bien important. Encore avant-hier, j'écoutais Patrick Lagacé au 95 qui disait « Telle personne ne s'est pas préparée en allant à telle émission. De là, l'erreur et la crise qui en a suivi. » Tout apprendre sur son dossier avant d'ouvrir la bouche. J'ai entendu un ministre, il y a 4 ans à peu près, qui venait d'être nommé puis qui avait été à Dutrisac 2 jours après qu'il avait été nommé. Et toutes les questions qu'il a posées, il a répondu « Je ne peux pas, je ne connais pas le dossier, je ne peux pas, je ne connais pas le dossier. » Moi, avoir été son attaché de presse, j'aurais dit d'attendre une couple de semaines avant de faire l'émission. Donc, connaître son dossier à fond
et connaître très bien le journaliste qui est en face de nous. La force d'une bonne entrevue, c'est les quatre points les plus importants d'une communication, savoir écouter, les mots-clés, jamais plus que trois messages clés et les propos simples et concis. Je vous l'ai dit, une entrevue caméra, là, un clip, c'est 10 secondes. Quand même que vous parleriez pendant 5 minutes avec un grand exposé philosophique de votre événement ou de votre grande démarche artistique de l'événement culturel, le clip va durer 10 secondes. Fait que fine to the point arrive à ton 10 secondes. Et quand on fait une entrevue personne à personne, on regarde l'interlocuteur. Quand on fait, vous savez ce que c'est un duplex, quand c'est dans une autre région, on regarde la caméra, parce qu'en arrière de la caméra, il y a du monde. En fait, il y a le chef d'antenne. Et quand il y a un scrum, c'est-à-dire une mêlée de presse, s'il y a 15 personnes autour de moi, qui on regarde? Bien, la personne qui vient de poser la question à laquelle tu vas répondre la vérité et sans dire pas de commentaire. Aucune agressivité avec un grand sourire. Les politiciens, les artistes les plus aimés sont ceux qui peuvent dire n'importe quoi avec un grand sourire. On en connaît. Les réseaux sociaux. Non, ce n'est pas une panacée et non, ça ne remplace pas les réseaux traditionnels. On a 400 amis, on fréquente à peu près 400 sites. Qu'est-ce qu'on fait avec les réseaux sociaux? Je vais vous dire quelque chose qui va vous faire rire. Quand j'étais plus jeune attaché de presse, il y avait les médias sérieux et les journaux à potins. Bien, maintenant, là, il y a les médias et les réseaux sociaux qui sont médias à potins. Il faut que ce soit ça. Les réseaux sociaux, là, on n'est pas là pour écrire un communiqué. Il n'y a rien de plus emmerdant qu'un communiqué. On n'est pas là pour dire des émotions trop rapides, mais on est là pour raconter une histoire. Il y a une grande experte en médias sociaux qui s'appelle Diane Book qui parle tout le temps de storytelling. Elle dit, c'est ça, un réseau social, c'est une histoire, raconte une histoire. Par exemple, il y a un lancement de disque, OK? Qui est dans une semaine, bien, raconte toutes les étapes. Quand il est en studio, quand la chanteuse est avec le band est allée dans un spa se faire coiffer, raconte tout. C'est l'histoire, derrière l'histoire, qui va passer à l'histoire. C'est ça, c'est simplement ça. Il y a des choses à ne pas faire. Comme j'ai déjà fait, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai posté quelque chose le mardi que j'ai supprimé le mercredi parce que je me suis avancée sur quelque chose, comme tout le monde. Vous devinez de quoi je parle. Et j'ai eu l'humilité de le supprimer parce que mercredi, quand la nouvelle est sortie, j'avais eu tard d'écrire ce que j'avais écrit mardi. Donc, attendre avant de publier. Il y a des pièges. Ce matin, c'est pour ça que j'en parle ce soir, parce que c'était à la radio ce matin, Marie-Chantal Toupin est passée, sort un disque actuellement, elle est passée à Isabelle Maréchal. Vous vous souvenez ce que Marie-Chantal a fait il y a 2 ans sur, en majuscule, sur Facebook, sur les femmes musulmanes. Et bien sûr qu'Isabelle Maréchal lui en a reparlé. Et donc, elle fait « Tout le monde en parle ». Vous êtes sûr que Guillaume Lepage va en parler. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? « Je me suis trompée. Je pensais faire une joke. » C'était pas une joke pantoute. Elle a eu l'humilité de dire « Je me suis trompée ». Alors, Isabelle Maréchal lui a dit « Puis, vas-tu encore écrire en majuscule? » Bien, j'écris toujours en majuscule, mais... Bien, c'est parce que tu cries quand tu écris en majuscule. Donc, je me suis trompée. Ça m'a coûté cher, dans le sens, ça m'a coûté beaucoup. J'ai eu beaucoup de peine parce que je me suis fait insulter. Je n'ai pas été fine moi-même. Alors, la conclusion, c'est avant de peser sur publier, pensez-y. On a vécu une crise la semaine dernière. C'est dans cette crise-là où j'ai posté quelque chose. Le titre de mon... Je vais vous le dire, le titre de mon statut, c'était... Ça, on était lundi, mardi. C'était « Comment assassiner un homme qui s'est déjà enlevé la vie? » Hey, je suis intense, hein? Ouhou! Fait que je l'ai supprimé le mercredi matin. Et si on parle de l'affaire Jutras, puisqu'on parle de l'affaire Jutras, ce que je dois vous dire, moi, comment je l'analyse en termes de communication, oublions les débats de société, c'est pas de mes affaires. Oublions ça, mais moi, je pense que c'est un acte manqué au niveau du fameux 4 pages. Je pense que Boréal, au lieu, moi, d'engager des avocats, j'aurais dû engager un gestionnaire de crise, parce qu'à ma grande surprise, Yves Levert, il était surpris que ça fasse
tout ça, mais voyons donc, n'importe qui chez National ou chez n'importe quel gestionnaire de crise aurait dit « Ouf, cette quatre pages-là, ça va être débouler. » Alors, pour moi, c'est une question de communication. Je pense qu'il y a eu des erreurs là. Mais bon, et le pauvre Marc Bellan qui s'est excusé dimanche, c'est tout à son honneur d'avoir eu cette humilité-là. Donc, il y a beaucoup d'erreurs qui se font. Et là, moi, j'irais sur la semaine dernière, je pense que c'est samedi. J'ai lu cette chronique de Martine Desjardins dans le Journal de Montréal. On connaît Martine Desjardins, ex-Carré Rouge, maintenant présidente du MNQ, qui dit « Fermez Facebook et respirez. » OK? Plusieurs ne comprennent pas l'impact d'un tweet ou d'un statut Facebook. Le désir de faire entendre leur voix, de la faire résonner dans la sphère publique, est plus important que le contenu d'un discours. Un débat, ça se prépare. Des positions, ça se réfléchit plus longuement que le temps de faire un statut Facebook que les 100 caractères, 140 caractères d'un Twitter. C'est tellement... Les pièges sont tellement faciles. Puis les étudiants à qui je parle, des archives d'articles de journaux, ça passe. Mais un statut Facebook, quand tu ne le supprimes pas, ça reste bien, bien, bien longtemps. J'ai un attaché de presse que je connais qui était dans un... qui était dans un état émotif, je ne sais pas trop, qui un jour de gala, je ne dirais pas lequel gala, il y en a beaucoup, les Gémeaux, la disque, ça. Moi, les galas, je m'en fous, les galas, j'ai jailli ça. Il est attaché de presse dans le monde artistique. Ouh, j'ai dit, c'est très important. L'autre affaire qui est bien importante avant de... c'est qu'il n'y a pas de sorte d'artiste meilleur que d'autres. Tu sais, à l'époque, Ginette Renault était considérée comme une artiste quétaine. Elle a fait un peu plus haut, un peu plus loin, le 1976, à la montagne. Ça a été fini, a été adulé. C'est fini, ça. J'étais tellement contente, honnêtement, quand j'ai vu Kent Nagano au banquier, toi. J'ai vu, ce soir-là, que les beautés expliquaient la différence entre un basson et une clarinette. Je ne pensais jamais voir ça de mon vivant. Un coup de maître. Alors, je pense qu'au niveau de la musique, en tout cas, du théâtre, de la musique, il y a moins le snobisme qu'il y avait à mon époque. Quand on choisit de travailler avec un artiste, quel qu'il soit, on le choisit avec des tripes. On ne le choisit pas avec sa tête. Travailler avec sa tête, c'est bien plate. Mais il faut, de temps en temps, mais il faut travailler surtout avec ses tripes. Tu sais, tout a beau changer. L'Internet, les réseaux sociaux, les plateformes, les contextes économiques, les enjeux politiques actuels et passés et futurs. Il y a une chose qui ne changera pas, on est un siècle de contenu. On a besoin de concepts nouveaux et on a besoin de créateurs. Donc, les créateurs, c'est une belle époque pour eux. Les communications, oui, c'est maintenant le moteur de l'univers. Oui, je pense que c'est le moteur de l'univers. Je ne dirais pas ça, évidemment, je dis ça à la toile des communications. Mais en même temps, c'est vrai, mais en même temps, les communications sont plus importantes, mais elles sont plus dangereuses que jamais, justement à cause des réseaux sociaux. En conclusion, qu'est-ce que ça prend pour travailler en relation de presse? Triper, triper, triper. Puis vous ne deviendrez pas millionnaire. Il n'y en a pas beaucoup qui sont millionnaires dans notre métier. Je vous l'ai dit, grande disponibilité. Le booking se fait le matin, le jour, le soir, la nuit moins, mais quand même. Grand respect pour les médias. Et là, je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas s'il y en a qui vont m'aimer. Les clients passent, mais les médias demeurent. Et quand on travaille bien avec les médias, et vous savez, ça fait 40 ans, là, j'écris encore à des journalistes avec qui je ne travaille même plus, puis ils me répondent. Ils sont occupés. Quand il y a un respect qui s'installe, c'est pour la vie. Mais quand il y a quelque chose qui ne marche pas, qui s'installe, c'est aussi pour la vie. Être assez groupie. Moi, je suis assez groupie. Moi, je suis pas mal la groupie de mes artistes, mais pas trop quand même. Et je vous l'ai dit, je vous le redis, tout voir... tout savoir, tout écouter, tout consommer.
Le seul moment dans ma vie où je lisais pas les nouvelles des faits divers au Journal de Montréal, c'est parce que quand j'étais enceinte, puis... Mais c'est à peu près le seul moment. J'ai toujours lu mes journaux, j'ai toujours tout regardé, tout écouté. Je zappe maintenant, je trouve ça assez le fun en plus, j'enregistre tout. Je passe ma vie à ne faire que ça, mais mon Dieu que j'apprends. Et ce que je fais, c'est que je retire beaucoup d'articles et tout, je les emmagasine, je les classe, et mes étudiants, année après année, j'enseigne à l'automne. Il y a un étudiant qui me dit « Est-ce que c'est le même cahier de notes que l'an dernier? » J'ai dit « Vous seriez malheureux parce qu'il y avait des articles de l'an dernier. Là, les crises vont être les crises de cette année. » Fait que j'emmagasine toute l'année pour donner à mes étudiants ce qui s'est passé pendant l'année et non pas ce qui s'est passé il y a 6 ans. Alors, merci. Alors, j'enseigne à, donc, l'UQAM. C'est à l'automne. C'est le mardi soir. Et vous pouvez être là tous. Il y a des étudiants libres. C'est un amphithéâtre. Et sinon, j'ai un site Internet si vous avez besoin de me contacter. Et sinon, il y a des petits dépliants aussi à l'entrée si vous avez besoin de me contacter en quelque part. Et oui, je réponds à tout le monde et oui, je tripe avec tout le monde. Mais je vais pas à tout quand même. Beaucoup de gens m'invitent après des formations, surtout l'hiver. Mais j'essaie de tout voir, tout écouter, au moins ce que vous allez m'envoyer. Merci beaucoup. C'est-tu correct dans le temps? Hein? C'était juste 1 heure. Parfait. Est-ce qu'on peut vous garder un peu pour questions? Oui, allez-y. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de questions. Je ne sais pas si on a le temps de passer tout le monde en question. Les personnes qui nous regardent en ligne, on peut envoyer des questions à Denis qui va les relayer parmi nous. Dans la salle, attendez bien d'avoir le micro. Faites-moi un signe, puis je viendrai vers vous, puis vous poserez votre question. Est-ce qu'on commence par des gens en ligne, Denis? Oui, s'il vous plaît. Allez. Alors, dans le contexte de forte concurrence culturelle à Montréal, comment les attachés de presse, d'artistes ou d'organisations culturelles méconnues qui manquent de notoriété? Parle plus fort, je n'ai pas entendu. Pardon? Je n'ai pas entendu. Oui, il marche, mais je n'ai pas compris. OK. Là, ça devrait aller. Alors, dans le contexte de forte concurrence culturelle à Montréal, comment les attachés de presse, d'artistes ou d'organisations culturelles méconnues ou qui manquent de notoriété peuvent-ils tirer leur épingle du jeu? La réponse est fort simple. Tout ce qui a du talent va finir par émerger. Tout ce qui a un grand talent va finir par émerger. Et dans ce sens-là, oui, YouTube, puis oui, les réseaux sociaux, c'est un grand plus. Parce que quelqu'un fait parler de lui à travers la biosphère ou la twittosphère, c'est sûr que ça va venir aux oreilles des journalistes. Donc, on se démarque avec quoi? Avec du talent et avec du contenu. Après ça, les attachés de presse, bien, on a juste à faire mousser et à devenir le haut-parleur de notre talent. Est-ce que ça répond? Oui. Qu'est-ce qui distingue les journalistes d'hier et ceux d'aujourd'hui? Ils ont bien plus de plateformes puis d'ouvrages aujourd'hui. Ils ont bien moins de temps. Il faut qu'ils aillent bien plus vite. Mais sinon, la personnalité des journalistes est la même, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient aussi rigoureux qu'hier. Et ils sont plus publics qu'hier. Ils étaient moins connus parce qu'ils n'étaient pas tous à la radio et à la télévision. Donc, le métier, il est quasiment plus dangereux, si on veut. Il s'expose plus aujourd'hui. Mais sinon, ça prend la même qualité, les mêmes rigueurs. Et eux autres aussi, il faut qu'ils fouillent, qu'ils s'informent, qu'ils regardent, qu'ils écoutent tout, qu'ils voient tout et qu'ils entendent tout. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Non? Ouais. On continue en ligne. Dans un contexte régional où les médias disparaissent les uns après les autres et que les journalistes perdent leur emploi, comment peut-on innover pour promouvoir nos événements? Ça, c'est bien dommage. Parce que j'ai lu, comme tout le monde aussi, qu'il y avait des journaux régionaux qui disparaissaient. C'est un peu dramatique. C'est bien plate. Alors, vous allez me dire, oui, il y a les réseaux sociaux, mais tu sais, j'ai dit tout à l'heure, ça ne compense pas. Alors, tu prends les médias qui restent, puis tu fais du millage avec les médias qui restent. Mais je trouve ça très, très déplorable. Je sais qu'il y a eu des papiers récemment. On veut vendre la tour de Radio-Canada, puis on veut annuler des médias locaux. Je trouve ça assez dangereux et assez inquiétant. Je trouve ça très troublant et inquiétant pour l'avenir.
Est-ce possible pour un artiste qui n'a pas d'attaché de presse, par exemple un artiste qui débute dans le milieu culturel, un nouvel auditeur ou un musicien, de faire et d'envoyer lui-même son communiqué de presse? Non. La réponse est non. Faites jamais ça vous-même. Prenez votre blonde, votre frère, et dites à quelqu'un qui a les talents d'attaché de presse d'aller suivre un cours, mais jamais un artiste devrait s'occuper, parce que c'est très, très, très difficile pour un journaliste de dire ton produit... Jamais, je recommande jamais aux journalistes de faire leur propre... aux artistes de faire leur propre campagne de presse. Bon sang, j'ai l'impression d'avoir le monopole ce soir. Dans un contexte régional, comment réussir à joindre deux enjeux importants et réussir à faire déplacer les gens pour qu'ils y viennent pour prendre l'information? Deux enjeux qui sont importants. Par exemple, un dossier qui touche à le transport ou un dossier qui touche à la santé. C'est-à-dire, donc, comment ils peuvent se démarquer avec une conférence de presse en même temps qu'une autre conférence de presse qui a un enjeu important? Exactement. Bien, c'est l'erreur à ne pas faire. Parlez-vous. Faites pas vos conférences de presse en même temps. Moi, j'ai travaillé en région. J'ai travaillé en région et en banlieue. Là, donc, j'ai travaillé à Longueuil et en région aussi. Et la première chose que je faisais quand je travaillais, c'est que je m'informais, est-ce que dans ma région, moi qui étais la Montérégie, y a-t-il un autre lancement d'une autre activité de vie communautaire et de sport en même temps que le lancement de ma maison de la culture? Si oui, je m'arrangeais. Alors, parlons-nous et écoute, il y a de la place pour tout le monde. Continuons en ligne. Oui. Lorsque l'on fait des relations de presse en région, que conseillez-vous pour donner aux problématiques locales une portée nationale? J'ai de la misère à suivre. C'est-à-dire, comment on fait pour qu'une annonce locale devienne nationale? Oui. Il faut qu'elle soit d'envergure nationale. C'est-à-dire que s'il y a une nouvelle qui n'intéresse que les gens de la région, elle ne sera pas couverte d'une manière nationale. Mais si la nouvelle concerne les gens de la région et a des conséquences nationales, oui, on peut faire appel aux médias nationaux. Mais ça, c'est comme un crédit à la banque. Tu ne vas pas voir ton gérant de banque toutes les semaines pour dire « rends-moi service ». Donne-moi un crédit supplémentaire. C'est la même chose. Quand on dit, on appelle des amis journalistes, écoute, c'est un événement qui se passe en région, mais j'aimerais ça que tu fasses un papier, même si ça se passe à Belleuil, à Drummondville, à Saint-Georges-de-Beauce, mais fais-moi quelque chose. Moi, j'ai travaillé pour la fabuleuse histoire d'un royaume, ma ville de la Baie, et j'ai eu beaucoup de couverture média. Pourquoi? Parce que ça intéressait beaucoup les tourismes. On amenait des tourismes de Montréal et de Québec. Donc, j'étais la maison de presse à Montréal, j'avais une autre attachée de presse à Québec pour un événement qui se passait à Ville-de-la-Baie. Mais c'est parce que c'était un événement local qui avait une envergure nationale. Il y en a qui connaissent ça, La Fabuleuse, avec 200 comédiens, tout le monde connaît ça. Bon, bien, on a travaillé avec ça. Alors, à moins qu'il y ait quelqu'un dans la salle, je pense que c'était la dernière question. Ah, bon, quand même. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Mme Thérèse. Je m'excuse pour mon accent. Aucun problème, c'est magnifique. Ce n'est pas vraiment une question. Moi, je suis journaliste de formation. Je partage avec vous toutes les choses que vous... Je suis d'accord avec toutes les choses que vous avez mentionnées aujourd'hui parce que moi, dans l'autre côté, j'ai vécu une histoire tellement différente. C'est exactement les choses que vous avez mentionnées. Des fois, il y a des attachés de presse qui ne sont pas là-bas pour ouvrir la porte, pour donner les informations. C'est tout le contraire. Il y a des gens qui... Quand on appelle au téléphone, la personne n'est pas disponible. Les personnes sont simplement là-bas pour faire la publicité par rapport, par exemple, par rapport à les élus. Mais quand on cherche pour traiter un sujet tellement important pour nous, pour le journal, les attachés de presse, des fois, ne sont pas là. Mais je remercie beaucoup toutes les expériences que vous avez partagées avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Mais ça m'a fait plaisir. Merci à vous. Merci à vous d'avoir été... présente. Est-ce qu'on a une dernière question ici, peut-être? Alors, bonjour, merci beaucoup. C'était très intéressant. Peut-être ça déborde un petit peu de la conférence, mais en ce qui a trait à justement l'affaire Jutras, c'est quelque chose que j'ai suivi quand même d'assez près, étant donné que je suis un peu dans le domaine du cinéma. Puis j'aurais aimé votre point de vue sur la façon qu'une relationniste ou qu'une attachée de presse ou peu importe aurait pu éviter ce genre de débordement qu'il y a eu, ce genre d'émotivité parce que
on connaît les conséquences que ça a eu. Oui, on connaît. Alors, la réponse est... j'ai bien pensé, puis j'ai baigné là-dedans toute la semaine. Puis comme je vous ai dit, j'ai fait des statues moi-même, puis tout ça. Et la réponse, c'est un peu... Il y a deux journalistes qui m'ont donné un élément de réponse avec lesquels je suis d'accord, parce que j'ai tout lu, tout lu. C'est que il y aurait eu auparavant une réflexion à se faire sur l'orientation de ce livre-là. Là, un livre qui est une biographie, qui raconte l'œuvre, puis qu'il y a quatre pages qui racontent le peut-être qu'il avait ces penchants-là. Là, tu fais-tu un livre à potin ou si tu fais une biographie? Tu fais une biographie professionnelle, fais l'un ou fais l'autre. Ou alors, si tu veux faire le tout, écris-le pour vrai. Donc, il semblerait, ce que j'ai lu, mais moi, je ne connais pas personnellement les gens, ce que j'ai lu, c'est que le Jean a offert une lettre et que, finalement, Boréal a dit non à cette lettre-là. Je ne comprends pas. Alors, Yves Boisvert, il écrit ici, dans un article de la semaine dernière, « Plutôt que de risquer une accusation de jaunisme par ses pairs, l'auteur a préféré laisser faire le boulot par les journalistes. » Alors, moi, si j'avais été attaché de presse, j'aurais dit « Hey, wow! J'ai une bombe dans les mains, j'ai un quatre pages. Wow! On ne va pas réfléchir avec les avocats de ce qu'on va faire. On va réfléchir avec des grands experts. J'aurais appelé un de mes chums chez National. On aurait passé une journée, s'il faut, à analyser comment on va le sortir. Moi, je dis toujours que la méthode la plus simple pour éteindre une crise, c'est de mettre le couvercle sur la marmite le plus vite possible. Alors là, c'est sorti samedi. Dimanche, lundi, mardi, il y a tout le monde comme moi qui disait « Mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens, alléguer des affaires sans avoir de preuves. » Comme moi, j'ai fait moi-même. Là, Jean sort le mercredi, servir à l'envers, ça repart. Et là, le grand débat, doit-on annuler les places publiques? Doit-on admirer encore l'œuvre? Est-ce qu'on aime encore l'œuvre? Là, c'était parti, et là, c'est très, très difficile, honnêtement, je te dirais, de rattraper le tout. Il s'agit juste... Mais ce qui est important comme attaché de presse, c'est de ne pas alimenter quand même. Et ça se fait par les réseaux sociaux. Et moi, ce que j'aurais fait comme attaché de presse, je ne sais pas si ça a peut-être été fait, j'aurais effectivement appelé les journalistes, justement, comme il y a Yves Boisvert, il y a Guy Fournier qui en a parlé, il y a Sophie Durocher qui dit « Les questions qui tuent ». Pourquoi les éditions Boréal ont-elles publié un livre qui contient des affirmations aussi énormes sans une preuve au dossier? Pourquoi Yves Levert se dit étonné des réactions qu'il juge disproportionnées face à son livre? Alors moi, comme attaché de presse, j'aurais essayé de tout... mon expression, puis ça, c'est dans toutes les crises, le couvercle, ça en marmite, et le plus tôt possible. Vous savez qu'une information, avant, ça prenait une journée avant de se faire diffuser. Il y avait quelque chose qui sortait, tu avais 24 heures pour réagir. Il y a un an, tu avais une heure pour réagir. Maintenant, tu as une minute pour réagir. Donc, je pense que un coup que Jean est sorti, ça s'est mis à se débouler, et là, le grand débat, c'est l'auteur ou l'homme. Moi, comme attaché de presse, j'aurais dit « calmons-nous tout le monde ». J'aurais dit comme Martine Desjardins « fermons notre Facebook, respirons par le nez, on parlera de l'œuvre. Éventuellement, l'œuvre ne mourra jamais. Laissons les choses se calmer. » C'est comme ça que j'aurais fait, moi. Peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, là, par exemple. Il y a plusieurs écoles de pensée. Moi, c'est le couvercle, sa marmite, puis plutôt sa presse. Je pense qu'on n'a pas fini de parler de cette affaire-là. Merci beaucoup. C'est malheureusement tout le temps qu'on a pour ce soir. Juste avant de partir, je pense que vous avez remis un petit questionnaire d'évaluation. Prenez le temps de le remplir, on aime ça avoir votre avis. Mettez votre adresse de courriel dessus si vous voulez être tenu au courant des activités de la toile, des communicateurs. L'adresse, on la garde à la toile, on ne la revend à personne, rassurez-vous. Vous pourrez déposer le questionnaire à la sortie, là où vous avez payé votre entrée. En ligne, vous pouvez les envoyer à Denis aussi des questionnaires. Il vous a indiqué comment faire. Je vous invite de nouveau à aller consulter notre site web, le nouveau site web, le blog des communicateurs qui est dessus, très intéressant. Et je vous donne rendez-vous le 30 mars avec Patrick White du Huffington Post pour parler du nouveau modèle en journalisme numérique. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci.
J'espère que vous avez apprécié ça aussi. On va démonter ça tout de suite.